de Jamaïque. La chasse est voyée. Oh, la chasse est voyée. La double chasse est voyée. Ah, la chasse est voyée. Ah, y'a ma baille à péchesse, chasse. La cigue à péchesse, chasse. C'est bizarre. Quand je suis tombé dans la piscine là, j'avais la pompe John Foster au pied. Je me dis, mais est-ce qu'il va s'ouvrir ou pas? Et je suis remonté de l'eau. La chaussure, elle est redevenue encore mieux ce qu'elle était avant. C'est là où j'ai respecté la chaussure qui parle. Est-ce qu'on est stressé quand on est devant la boîte là, quand on... Alors, effectivement, il y a une petite montée d'adrénaline quand on voit notre prénom sur l'ordinateur, parce qu'effectivement, on espère tous qu'il arrive à un moment donné. Ah, elle a été battue parce qu'il y en a qui sont encore là. Il reste, ouais, voilà, voilà. Donc, non, mais je l'ai vécu bien. Depuis la première émission, on était avec les Marion. Il y avait des collègues comme les Valentin, les Otis, les jumeaux. Les autres, on a des valeurs, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis on a été solidaires. C'est vrai que c'est un des rares jeux d'argent et de télé où on joue pas les uns contre les autres, mais les uns pour les autres, en fait. Et donc, on n'avait qu'une seule envie, c'était que notre pote gagne. En fait, c'est une famille. Clairement, c'est une famille. On s'entend bien, on est très soudés. Après, dans des familles aussi, ça ne manque pas de petits soucis. Hein. Il y en a, mais on arrive quand même à rebondir et à se mettre d'accord sur certaines choses et on avance, quoi. C'est le plus important. C'est vrai qu'au départ, on ne se connaissait pas. On se connaissait en tant que joueur et en tant que pote. Voilà, c'était vraiment dans ce petit cocon. Et puis en fait, c'est vrai qu'on s'est... Enfin, après, j'ai pris conscience que c'était... Ouais, en fait, ils rigolent pas, mais on va vraiment le faire. Et du coup, notre rencontre, elle a été hyper fidèle parce qu'elle s'est aussi faite après le jeu. La chasse est voyée. Oh, la chasse est voyée. La double chasse est voyée. Ah, la chasse est voyée. Ah, y'a ma baille à péchesse, chasse. La cigue à péchesse, chasse. C'est vite à ma chasse, chasse. Ah, mais ça gala un voile. Oh, moi, ça gala un voile. Tao, Dieu, battez les lèvres, ça gala un voile. Peggy mobile, lèvres, vous, ça gala un voile. Oh, tout ça en goula, Sheina Okunga. Oh, Togo Matala et du Colombola, Togo Poma et Bayamo Gonzi, Togo Yembela et Osana, Osana, Togo Yembela et Geleu, 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 Tuku Tuku, Geleu, Geleu, le chien à voir, Geleu, Geleu, Zimi, Tao, le Manyama, Geleu, Tuku Tuku, Geleu, Geleu, Maxeur des ennuis, Geleu, Geleu, Tuku Tuku, Geleu, Geleu, Sidine Abrakata, Abraham, l'homme qui blague au livre Sterling, Geleu, Tuku Tuku, Geleu, Geleu, si tu vois le bâchis de C'est un vrai pro, c'est lui le chef. Bon, nous sommes avec Norbert et Marion. Vous avez participé tous les deux à l'émission Apprendre ou à laisser avec Cyril Hanouna. Alors d'abord, comment ça s'est passé? Allez, on va d'abord demander à Marion. Bah écoutez, c'était une super expérience, c'était ma première télé, voilà, c'était vraiment la première fois que j'avais fait le souhait de participer à un jeu et je l'ai vraiment fait dans l'optique de passer un bon moment après les événements qu'on a vécu au printemps dernier et du coup voilà, c'était l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes et puis de partager un moment top quoi. On sent que c'est vraiment une famille à apprendre ou à laisser. Oui, c'est vraiment le cas en fait. C'est vrai qu'on passe énormément d'heures tous ensemble et on est tous du coup, on devient tous un peu soudés par la même aventure et tous unis. Et c'est vrai qu'il y a un vrai lien, il y a un vrai lien qui se crée pendant cette émission. Est-ce qu'on est stressé quand on est devant la boîte là quand on est? Alors effectivement, il y a une petite montée d'adrénaline quand on voit notre prénom sur l'ordinateur parce qu'effectivement, on espère tous qu'il arrive à un moment donné. Et quand il arrive, il y a un mélange d'adrénaline, de joie, de stress et aussi un peu de tristesse parce qu'on se dit que c'est la fin de cette aventure qui est quand même une jolie aventure malgré tout. Et pas qu'une aventure qui est faite pour gagner de l'argent, c'est aussi une aventure humaine. C'est un des rares jeux télé où on a une vraie aventure humaine. Donc ce moment-là, il est un peu divisé. En tout cas, pour ma part, il était divisé entre la nostalgie de se dire c'est fini et la folie et l'adrénaline de se dire ça y est, je joue. On vous sent ému quand vous en parlez. Ouais, ça reste un des beaux souvenirs de ma vie et je suis très heureuse de l'avoir vécu, vraiment. Cyril, comment il est? Cyril, il est égal à lui-même, il est pareil à l'écran que dans la vie. C'est quelqu'un de humble, quelqu'un d'ouvert et très proche de nous. Je l'ai trouvé voilà, très, 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 très cool, quoi. Cyril. Professionnel. Oui, bien sûr. Au-delà de l'humain, qui est une personne vraiment attachante
Et Fun, c'est un vrai pro, c'est lui le chef. Il y a encore des gens de votre saison, de la saison 1, hein. Il y a encore des candidats. Ouais, il en reste quelques-uns, il reste... Ma, qui est toujours pas joué, mais oui, Ma, notre sirène. Ça fait un moment qu'elle y est. Hein. Ouais, oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'on pense beaucoup à elle, quoi. On pense beaucoup à elle. Bah, c'est sûr qu'elle va jouer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison pour qu'elle ne joue pas. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, Ma. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Comme vient de dire Marion, nous avons créé des liens. Ça devient. En fait, c'est une famille, quoi. Clairement, c'est une famille. On s'entend bien, on est très soudés. Après, dans des familles aussi, ça ne manque pas de petits soucis. Hein. Il y en a, mais on arrive quand même à rebondir et à se mettre d'accord sur certaines choses et on avance, quoi. C'est le plus important. Et donc vous, comment l'avez-vous vécu, puisque vous détenez, je crois, le record de participation? Bah, elle a été battue parce qu'il y en a qui sont encore là. Il reste, ouais, voilà. Donc, non, mais je l'ai vécu bien. Depuis la première émission, on était avec les Marion. Il y avait des collègues comme les Valentin, les Otis, les jumeaux, Virginie. Non, Virginie, elle est arrivée après. Zaza Dengo, Sarah Tic-Tuc, tout ce monde-là. Donc, mais c'était très bien. Il y avait l'ambiance. Surtout, moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est le sens de familiarité qu'on a entre nous, qu'on avait là, voilà, que j'ai pas forcément retrouvé dans la saison 2, mais il n'y avait pas le choix, il fallait la faire parce qu'au bout d'un moment, c'est en cours derrière une boîte, hein, donc on va pas faire 50 ou 30 émissions et puis abandonner, il faut aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, la saison 1, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec la saison 2. Donc du coup, la saison 1, c'est vraiment la famille qui est soudée, on a de l'attention les uns les autres, on a des valeurs, quoi. Voilà, c'est ça. Puis on était solidaires, c'est vrai que c'est un des rares jeux d'argent et de télé où on joue pas les uns contre les autres, mais les uns pour les autres, en fait. Et donc, on n'avait qu'une seule envie, c'était que notre pote gagne, et pas l'inverse. Et ça, c'est vrai que c'était assez magique. Et donc maintenant vous travaillez ensemble, puisque rappelons que vous êtes chorégraphe, Marion, et vous, Norba, vous êtes rappeur, c'est ça? Non, je ne suis pas rappeur, je suis artiste musicien. Ouais. Voilà, je chante, je crée des parodies depuis longtemps. Moi, j'ai commencé la musique, j'étais en CM2. Donc, c'est une partie de moi que les gens d'apprendre ou à laisser ne connaissent pas. J'ai fait des albums. D'ailleurs, celui-là. Voilà, c'est un album 4 saisons que j'ai sorti avant récemment, que j'ai coproduit, qui a été produit par mon sponsor John Foster. Après, j'ai fait le single qui est là. Maintenant, quand j'étais dans l'émission, je me suis dit, mais deux émissions après, quand j'ai vu le talent de Marion, je me suis dit, mais cette dame a un talent. Mais pourquoi pas faire quelque chose ou créer un truc? Parce que moi, je suis comme ça, moi, je suis visionnaire, je vois très loin. Et du coup, j'ai proposé à Marion en coulisses. Hein. J'ai dit, Marion, tu sais quoi, on va faire un truc. Je pense que je vais te prendre comme chorégraphe. Mais au départ, elle prenait ça comme c'était, je plaisantais. Au second degré. Oui, voilà. Parce que c'est vrai qu'au départ, on ne se connaissait pas. On se connaissait en tant que joueur et en tant que pote. Voilà, c'était vraiment dans ce petit cocon. Et puis en fait, c'est vrai qu'on s'est... Enfin, après, j'ai pris conscience que c'était... Ouais, en fait, ils rigolent pas, mais on va vraiment le faire. Et du coup, notre rencontre, elle a été hyper fidèle parce qu'elle s'est aussi faite après le jeu. Et c'est après le jeu qu'on s'est découvert, nous, en tant qu'artistes, en tout cas. Et du coup, c'est d'autant plus magique, en fait. Et alors, comment ça s'est fait, alors? Ça s'est fait, c'est que je me suis retrouvé en studio à Bordeaux avec en featuring avec Sintopap, qui est un artiste gabonais qui a évolué ici, qui était chez Universal. C'est des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et quand on a travaillé avec Sinto en studio, j'ai dit, cette musique-là, je ne vois pas... Il faut qu'il y ait quelqu'un que je porte, quelqu'un qui a du talent. Mais eux, ils ont vu Marion à la télé. Ils ont dit, c'est qui par hasard? C'est pas Marion? J'ai dit, voilà. Et j'ai dit, c'est Marion qui doit être là, c'est elle qui doit s'occuper de la choré. Et elle l'a très bien fait. Elle a ramené cette danseuse, mais d'un talent, mais énorme.
C'est le king qui sera tout cela. L'homme du Kosovo Mozobiero. T'as ça toi. Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ça? Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Mignon garçon couleur ébène. Donc du coup elle s'est occupée de la chorégraphie. Et on a présenté le travail, quoi. C'est à vous de juger, voilà. Et puis il y avait d'autres candidats aussi qui ont participé à ce clip. Ouais, la plupart des candidats, ils m'ont d'abord donné un grand coup de pouce parce que tout le monde avait fait des vidéos internes. Les Sarah, tout ce monde-là, même notre pharmacien, Ilan avait fait aussi. Donc en fait, tout le monde, ils ont fait. Ça, tout l'été, il y a eu ça. Donc en fait, nous. En dehors du jeu, on avait créé quelque chose de très fort, un lien très fort. C'est-à-dire qu'on ne jouait pas contre les autres, mais on donnait la force quand quelqu'un il avait un problème, on le soutenait. Voilà, c'est comme ça qu'on faisait. Et moi, je ne pouvais pas envisager faire un clip et faire appel à un autre chorégraphe tout en sachant que j'en ai une à côté de moi, avec qui on a des affinités, qui a en plus du talent, qui est bon. Non, j'ai fait appel à Marion et ben justement le résultat c'est à vous de juger quoi. Un chef-d'œuvre, il m'a balancé du lourd, du béton. Oh mani, sakala ongwale, dao je batele lembo sakala ongwale, pegi mobile lembo aku sakala ongwale. Oh, tuza angula, sheina okunga. Oh, togo matala eli korongwala, togo koma eba ya mugunzi, togo yembe na ye osana, togo yembe na ye gele u, gele u, gele u, gele u, gele u, gele tuku tuku gele u, gele u, le shen apwa gele u, gele u, zimi te olo manyama, gele tuku tuku gele u. Marion. Oui, c'est vraiment, j'ai été très touchée par la demande de Norbert. C'est vrai que moi je suis chorégraphe depuis une dizaine d'années. Vous avez même votre école. Oui, voilà, j'ai fondé, je suis directrice artistique et professeure de l'association MC Danse Studio, qui se situe donc à Bornel, dans l'Oise. Et du coup, j'ai embarqué mes petites élèves avec moi sur ce projet-là. Et Norbert me donne des ailes, en fait. Vraiment, c'est quelque chose que... C'est vrai que moi, je suis un petit peu cachée dans mes studios de danse. Et en fait, cette émission et cette rencontre, Et d'autres rencontres, hein, parce qu'on en a d'autres qui nous poussent et qui nous aident vraiment au quotidien dans nos projets professionnels en tout cas. Et voilà, et c'est vrai que c'était une première pour moi. Et du coup, il y en a d'autres qui arrivent. Justement, voilà. Quels sont les projets? Mais les projets, voilà, je suis en projet sur d'autres clips actuellement. Après, projet de scène, malheureusement, avec l'actualité, c'est très compliqué en ce moment pour les artistes. Mais voilà, des projets de clips, des projets personnels aussi... Voilà, envie de continuer sur ce domaine-là en tout cas et être accompagné avec les amis. Normal, les projets? Non, mais les projets, il y en a plein. Bon, moi, en fait, je ne parle pas trop de projets, j'aime bien les surprises. Mais en fait, ce que je voudrais dire par là, Marion a un talent, il a son école, ses élèves et tout. Donc, c'est quelqu'un qui méritait d'avoir cette lumière-là. Et moi, je suis très altruiste. Je ne suis vraiment pas égoïste. Quand je vois que je fais un truc qui peut apporter, qui peut donner de la force, qui peut faire avancer quelqu'un, j'essaye de faire. Et aujourd'hui, je suis très satisfait pour Marion. Aujourd'hui, elle est très contactée et c'est normal. Et je conseille aussi à ceux-là qui veulent faire du clip de contacter Marion parce que c'est quelqu'un qui est très professionnel. Et quand elle se met au travail, tu sens. Moi, je l'ai découvert en tout et pour tout. Donc, c'est une personne d'une gentillesse, mais incroyable. Après... On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est vrai, mais en tout cas, à 80%, en tout cas, c'est une bonne personne. Bon, quant à moi, les projets, il y en a. Là, je suis toujours, comme vous le voyez vous-même, là où on est, je suis avec mon sponsor. Il y a le deuxième single qui va arriver. Et après, j'ai une représentation à faire au niveau de mon pays et d'autres émissions qui arrivent, en fait. Normalement, j'ai une émission sur France 3. Qui va se déclencher dans pas longtemps, mais je préfère encore ne pas en parler pour l'instant. Dernier point, ce clip, il cartonne. Hein. Ouais. Ben, le clip, il cartonne, oui, il cartonne. Le clip, il cartonne parce qu'on a eu un petit souci. Parce que le clip, il y a une personne qui avait fait une déclaration mensongère. Parce que le clip était sorti le vendredi. Et le soir, la personne a fait une déclaration mensongère en disant comme quoi que nous, on avait porté atteinte aux droits d'auteur. Donc YouTube avait bloqué le clip. Donc le clip est resté bloqué tout le week-end du samedi.
Et pour ne pas décevoir le public, j'étais obligé de prendre le clip, de le mettre sur ma page Facebook. Et il a été remis le dimanche. Mais sur la page Facebook, oui, c'est vrai, en 2 semaines, le clip, il a touché les 80K sur Facebook. Et là, il a dépassé les 20K sur YouTube. Sur Insta, on est à 120. Voilà. Sur Insta, on est à 122 000. Et voilà, c'est une réussite en gros. Et cette victoire, normalement, je la dédie à tous mes amis, à tous mes collègues candidats d'apprendre ou à laisser, qui ont donné de leur cœur, qui ont donné de leur volonté dans ce clip. En tout cas, chapeau les gars, on a vraiment réussi un bon travail. Le tournage, c'était vraiment une fête. C'était une fête, vraiment. Mais c'était très professionnel. Et c'est pour ça, je pense que ça a marché. Parce qu'il y avait une vraie complicité entre tous les artistes. Et avec toute l'équipe d'Apoil qui était là en soutien plus, quand on rajoute la baignade dans la piscine avec la chaussure qui parle. Moi, j'ai eu très peur parce que quand je suis tombé dans la piscine là, j'avais la pompe John Foster au pied. Je me dis, mais est-ce qu'il va s'ouvrir ou pas? Et je suis remonté de l'eau. La chaussure, elle est redevenue encore mieux ce qu'elle était avant. C'est là où j'ai respecté la chaussure qui parle. En tout cas, Norba, merci beaucoup. Je vous en prie. Marion, merci beaucoup. Merci à vous. Et pour terminer, est-ce que vous pourriez... Pour terminer, une incantation par un tender de Ista, ma clare que l'ago, nous pouvons essayer de le faire, je me rends aussi beau, je le vis bien et bien, là, je tape Marion, je progresse grâce à son œil, le potier de métal, et je me parfume en parabole comme le secours Yengo. Bra! Est-ce que vous pourriez nous faire une démo de danse, Marion, de Corée? Maintenant, là, tout de suite? Ouais. Bah, oui, on y va. On y va? Évidemment. Chena Okunga. Oh, Togo Matala Eli Kolongwala, Togo Poma Eba Ya Mugunzi, Togo Yembela Ye Osana, Togo Yembela Ye Geleu, 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 Tuku Tuku Geleu, Le Chayabwa Geleu, Zimite Olo Manyama, Geleu Tuku Tuku Geleu, Maxe Desanui, Geleu Tuku Tuku Geleu, Sidine Abrakata Abra, L'Om Gita Goli Tseli, Geleu Tuku Tuku Geleu. Couleur est belle, avec les candidats Opal, on est au taquet. C'est Norba de Paris, ça tous la langue du paratender de l'Ouest, à Maclaro de l'Agua. Il Maclaro de l'Agua, nous pouvons le serrer. Le frère Zéco, je me rends aussi beau, je le vis bel et bien. Là, je tape couleur ébène. Je progresse dans sa sonorité, le côté de mes temps. Et je me parfume en parabole comme le sait Guillaume. T'as ça, toi, bra! Oumolanda!